Continue la série Mississippi Hill Country Blues avec un morceau de Robert Balfour, Pushing My Luck. Alors encore une fois, dans le style Mississippi Blues, là on y est à fond. En fait c'est un boogie, hein, c'est un boogie qui tourne. Et voilà, c'est vraiment cette attention. Et alors voilà, plus on le joue, plus ça devient hypnotique, plus on a envie de s'y mettre, plus on a envie de le jouer fort, plus on augmente un peu le tempo. Enfin bref, c'est vraiment un morceau super hypnotique qui marche vachement bien. Alors, comment ça va se passer? Déjà, Pushing My Luck, c'est encore une fois un gros question-réponse. Donc c'est toujours ça, hein, le support, la musique, support au chant. Donc on est vraiment là-dessus. Et en fait, donc on va vraiment avoir le riff, donc un riff, on va parler du riff après, et ensuite la partie chant. Donc on va vraiment avoir la partie musicale et la partie chant. Et alors, sur la partie musicale, on va rester sur le premier accord, sur le sol, ce qui va être en open de sol. Donc ça va rester sur le premier degré, plutôt, je devrais dire, parce qu'il n'est pas totalement en sol. Donc on va rester sur le premier degré, et dès que ça chante, on passe sur le quatrième degré. Donc ça, c'est vraiment la structure du morceau. On alterne les deux. Alors, au niveau du chant, quand je vous dis qu'on a du blues minimaliste et primitif, il y a deux phrases. Deux phrases qui répètent en boucle. Et voilà, je ne vais pas vous cacher que en travaillant le morceau, je me suis dit, merde, il n'y a que deux phrases. Et je n'avais jamais remarqué qu'il n'y avait que deux phrases. Et bien, il y a deux phrases. Et comme quoi, ça fonctionne très très bien, même avec deux phrases, tant que le riff est joué. Donc voilà, ça c'est pour parler de la structure du morceau. Alors, vraiment, toujours pareil, question-réponse, musique et chant. Et sur la musique, on va avoir un riff. Et alors, en fait, on ne va pas avoir un riff, on va avoir trois ou quatre riffs. C'est ce que je vais vous montrer, et après j'ai envie de dire presque une infinité de riffs, enfin, parce que chaque riff peut avoir sa petite variation, ses petites notes, ses petites imperfections aussi des fois, ses petits loupés peut-être, et voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais t'en montrer 4 de riffs, on va travailler 4 riffs, et voilà. Après il faut savoir que selon les versions, eh ben, il y a des fois encore des petites variations en plus, mais je vais t'expliquer comment trouver ces variations. Et alors, dans les riffs, il y a trois riffs. Donc, il y a le riff principal, il y a deux riffs alternatifs qui placent de temps en temps, et il y a un riff qui met uniquement après le chant. Donc, tout ça, on va les voir. Et je vais te faire une vidéo séparée sur chaque riff pour être sûr que si tu bloques sur un riff en particulier, bah, tu puisses revenir sur la vidéo qui t'intéresse plutôt que sur te taper toute la vidéo. Alors, avant de se plonger dans les riffs, bah, je voudrais juste, comme je l'ai précisé, l'accordage. Donc, on est sur un accordage open de sol, en tout cas un intervalle d'open de sol, c'est-à-dire l'open de sol. Sauf que lui, il y a plusieurs versions. Alors, je l'ai déjà entendu en fa dièse. Donc, si tu joues sur le disque, tu vas voir que tu vas être plus haut, parce que là, je vais la prendre en sol pour pas que tout le monde se désaccorde d'un demi-ton. Mais après, encore une fois, l'accordage, c'est une question. Donc, vraiment, l'intervalle open de sol, ça, j'en ai déjà bien parlé dans You Got the Blues. Hein. C'est l'intervalle des notes, l'écart entre les notes, qu'on soit en sol ou en sol
bémol, dièse, machin truc, 18, on s'en fiche. Tant que l'intervalle entre les cordes est toujours le même, on aura toujours nos mêmes positions. Voilà, ça j'ai expliqué dans les gueules de blues. Mais voilà, donc ensuite ce qu'on fait, une fois qu'on a notre intervalle en open de sol, ou notre intervalle en open de ré dans d'autres chansons, eh ben, c'est qu'on trouve la bonne tonalité pour sa voix. Donc lui, il le descend un peu. Moi, personnellement, je pourrais vraiment le descendre parce que je ne suis pas dans ma tonalité. Hein. Enfin, ce n'était pas le propos là. Mais donc, vous pouvez jouer, je l'ai même déjà entendu, en open enfin, en do, ce morceau, en fait. Donc plutôt qu'en sol, aller jusqu'en do. Alors, si on a des très grosses cordes et qu'on peut tirer, ça marche. Mais voilà, donc moi, je l'apprends en open de sol, enfin en tonalité de sol et en open de sol. Et après, bah, si vous voulez le chanter et que ça ne va pas avec votre voix, et bah, pas avec ta voix, je sais jamais le mouvement tout à l'heure, et bah, tu changes la tonalité. Voilà, voilà. Donc là, j'ai un ré, un sol, un ré, un sol, un si, et un ré. Voilà, on se plonge dans le premier.